cache une trajectoire de design de web, de compose une vie qui va devenir tracée comme un parcours assez sensueuse. Je serai une heure plus turbo pour les villes de la protection dans le terrain. Je serai une heure plus tard. Il a bien joué le coup, Eric, même si, bon, pour finir, il a été menacé. Ouais, un peu fatigué, mais j'avais dit à Eric de pas avant la course, parce que l'autre jour, quand il a gagné le groupe 1, il a quand même mis des coups de cravache et le cheval, bon, il ne méritait pas ça. Donc j'avais dit à Eric que si ça se passe bien, tu bouges pas pour finir, tu vaut mieux garder ça pour plus tard. Et puis je pense qu'il a besoin de ça. Le cheval, il a couru il y a un mois, un bon mois, où il était 5e attelé. Et entre deux, on n'a pas fait grand-chose. Donc on avait visé cette course-là au dernier moment, parce qu'on devait courir que le groupe 1 monté. Mais 2100, je pense qu'il faut les quand même toutes les courir, les monter parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Ouais, 2100, c'est vraiment son score. Hein. Ouais, il est vite. On a vu, l'autre était en 7, et lui il devait être en 9. Il a quand même un montant, il est venu le chercher. Il est 9-8 au kilomètre, donc je pense qu'il était un petit peu dans le rouge. Après, il a laissé souffler tout le virage, et puis pour finir, il s'est bien relancé. Même aux abords du poteau, il repartait, je pense, un petit peu. Que des satisfactions. Ouais, tout va bien. En ce moment, dès qu'on court groupe, on gagne, donc tout va bien. C'est affreux hein, pour les autres. Non, je rigole, mais c'est super. J'ai des chevaux en ce moment qui sont bien, on gagne les belles courses. Ils sont bien montés, bien drivés, donc il n'y a rien à dire. Et demain, juste une petite parenthèse, Bold Eagle, RS. Super, les Billy est super bien aussi. Je pense que les deux chevaux devront faire leur course. Quand j'ai pas voulu à aucun. C'est dans le Prix des Îles, j'avais tapé 2-3 coups. Ah. Il faisait ça, mais à chaque coup, il faisait il tape au cul aujourd'hui. Mais je comptais pas démarrer si vite. Eric, contre rempli. Ouais, c'est des courses à essayer de pas perdre quoi. Qu'est-ce que tu as dit à Sébastien en rentrant? Il y avait une histoire, tu lui as débouché les oreilles à 100 mètres du poteau, c'est ça? Ouais, j'ai débouché à 100 mètres parce que j'ai cru que j'allais y aller assez facilement. Et puis c'est vrai que ça revenait. Hein. Moi, j'ai quand même démarré, machin, chassé. J'ai fait la course encore tout seul. Donc, c'est pas des courses faciles. Mais on avait prévu d'essayer d'en faire le moins possible. Mais j'ai pas tapé au cul. Parce que je sais, quand tu tapes au cul, il faille de la queue. Il aime pas trop ça, mais il réagit bien. Comme il y a quand même une très belle course dans 15 jours. Fabrice, Beauty aujourd'hui, elle est très très rassurante pour son retour sous la selle. Ouais, voilà. La jument, elle avait bien couru la première fois, la deuxième était un petit peu décevante. Après, dans le poussin léger, ça n'avait pas été corde à droite, elle était pas bien. On a couru attelé tout ça, mais là c'était bien. La jument a fait un bon dernier kilomètre. Elle ne peut pas descendre trop la côte, ce qui la met loin un petit peu en pleine. Et bon, elle a fait un bon dernier kilomètre. C'est encourageant, surtout. Je pense que 2007, en plus, ça va être un peu mieux. Partir en montant, ça va être plus facile pour elle. Et voilà, elle a une chance de bien courir dans le Prix de Vincennes. Donc, Prix de Vincennes, j'allais te demander justement si elle allait courir attelé, monter. Prix de Vincennes, prochain objectif donc avec elle. Voilà, ouais, Prix de Vincennes. On va atteler de toute façon les deux courses après, c'est contre les mâles. On n'a rien à voir contre les mâles, donc ça ne sert à rien de courir. Monter, elle a le Prix de Vincennes et après, elle a un semi-classique que de femelle. Ça va être intéressant. Je pense que voilà, elle peut faire bien encore deux, trois courses. Ouais. Marie 4e avec Be Mind the Well. Dans le dernier tournant, on sentait pourtant qu'elle était proche de la victoire, tout simplement. De la victoire, je sais pas. Elle m'a embêtée, elle était sur des œufs, beaucoup. Elle a poussé dur à droite. Bon, ben, après, les autres sont passés en dedans, c'est plus facile. Mais elle m'a vraiment embêtée. Voilà. Pas de lasso aujourd'hui. Donc, ouais, elle n'était pas pareille. Il se passe quoi avec elle? Parce que vraiment, déjà la dernière fois, dans le dernier tournant, tu nous avais donné des explications, mais on a l'impression qu'elle a la pointure d'un semi-classique, tout simplement. Oui, mais elle est spéciale, il faut tout le temps être avec, on ne peut pas lui en donner 2 cm, sinon ouais, elle s'accroche partout, dès qu'il y a les autres, elle se tend, quand elle entend du bruit, elle se tend aussi, donc bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Là, il y a le Prix de Vincennes qui se profile, est-ce que tu pars avec des ambitions pour les places? Après, déjà, je ne sais pas si je vais la monter, mais après 2007, je pense qu'elle sera mieux, elle aura le lasso, ce n'est pas pareil. Bon après, oui, je pense qu'elle peut se placer, mais il faut qu'elle soit dans un bon jour, parce que là, aujourd'hui, elle était vraiment tendue. Not sure I understand.
sure I understand.